Les tribunes de la presse, c'est toujours le moment de se poser des questions sur l'information qui circule, celle que l'on écoute, celle que l'on croit, celle que l'on refuse de croire. On va justement parler de cela avec notre invité Didier Pourquery. Est-ce que vous pourrez vous présenter ? Notamment, vous êtes à l'origine de The Conversation. De quoi s'agit-il exactement ? The Conversation, c'est un site qui a été lancé en 2011 en Australie et qui est présent dans beaucoup de pays. Et avec Fabrice Rousselot, nous avons lancé en 2015 la version française de ce site. Il s'agit d'un site d'information écrit par des experts et écrit avec de l'aide de journalistes. C'est-à-dire que ce sont des experts, ce sont des chercheurs, des enseignants-chercheurs qui écrivent les articles, une quinzaine par jour, mais aussi des podcasts, des vidéos, etc., pour éclairer un certain nombre de points de l'actualité. Et donc éviter les fake news. On en parle beaucoup ces derniers temps. On a l'impression que ça a pullulé et qu'il faut se battre contre ces fake news. Comment ça se passe concrètement au quotidien quand vous êtes justement aux commandes d'un média? Il y avait un intervenant ce matin qui disait quelque chose d'intéressant. Il disait souvent, en fait, les personnes qui interviewent les experts ne sont pas forcément au niveau. Les journalistes ne posent pas les bonnes questions aux experts et de là naissent parfois même des fake news. Alors, je ne sais pas si je suis au niveau de vous interviewer, mais en tout cas, est-ce que vous pouvez... Moi, je suis journaliste tous les deux, donc voilà. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu justement cette difficulté et de là d'où peuvent venir les fake news? Écoutez, les fake news existent. Donc il y a, on peut l'intérêt d'abord en tant que journaliste, il faut qu'on les repère, voilà, qu'on les repère avec l'aide d'un certain nombre d'experts qui nous appellent souvent en disant vous savez ce qui est en train de se dire là, c'est-à-dire que par exemple au début, que le coronavirus ne tue pas plus que les accidents de trottinette, attention, c'est faux. Or, c'est une fake news qui a été émise par quelqu'un d'assez connu sur les réseaux sociaux et pendant une émission de télé. Donc, après, une fois qu'on a repéré, il faut laisser s'exprimer l'expert en question, je dirais le bon expert. Mais est-ce que justement, ce n'est pas une bataille d'experts finalement? Et est-ce qu'en combattant les fake news, on ne risque pas d'éliminer des pensées qui peuvent être avant-gardistes ou qui peuvent être simplement en dehors de la pensée majoritaire? Alors, ce n'est pas une histoire de pensée majoritaire. La science, on parle de science là. La science n'est pas une opinion. La science ne se décide pas par le vote. La science, c'est ce qui se fabrique avec la recherche scientifique. Mais est-ce que quand on a deux experts qui sont scientifiques les uns et les autres, comment est-ce qu'on détermine, nous par exemple, simples journalistes, s'il y en a un qui a raison ou l'autre qui a raison? Il y a des façons assez simples, en comptant le nombre d'articles qu'il a publiés récemment dans des grandes revues scientifiques, parce que vous savez que la science, la recherche, avance en étant publié et publié dans des grandes revues scientifiques. Donc le travail des journalistes, par exemple à The Conversation, c'est de repérer les grands articles importants qui sont publiés dans des revues scientifiques, des revues très compliquées, mais très exigeantes aussi, dans lesquelles il y a de la controverse, il y a des débats, etc. Mais en tout cas, qui font avancer les choses. Et donc là, on repère des c'est pas vraiment des experts, mais on repère des chercheurs qui ont travaillé, qui sont compétents sur un domaine de recherche. Est-ce que les grands médias font cela? Est-ce qu'il y avait besoin d'un site internet comme le vôtre dans le paysage médiatique? Comment on peut interpréter ça? La plupart des grands médias font des interviews de chercheurs. Nous, on leur donne la parole, et c'est eux qui écrivent. Vous voyez? C'est la différence. Et à la fin, c'est eux qui valident ce qu'ils ont écrit. Parce que ils écrivent un premier jet, le journaliste remet un peu d'ordre, édite un peu l'article, et ensuite, le chercheur qui signe valide ce qui se fait. C'est une autre manière d'accéder à la science. C'est complémentaire. Nous,
il y a des... Moi, j'ai été longtemps rédacteur en chef au Monde. Au Monde, il y a les super journalistes scientifiques qui interviewent pour chaque sujet plein d'experts, plein de chercheurs et font une synthèse. Ça, c'est vraiment très important et très utile. Nous, on donne la parole à des chercheurs séparément et on met ça dans une newsletter ou en ligne. Et Donc l'information est accessible, mais est-ce qu'un autre problème, dernière question, ce n'est pas que certaines personnes ne recherchent pas réellement l'information et finalement se contentent d'une information, par exemple, sur les réseaux sociaux dont on sait qu'elle peut ne pas avoir été vérifiée? Il faut faire un travail de partage de l'information. Aujourd'hui, je trouve que le média, les journalistes, doivent évidemment enquêter, travailler, mais aussi savoir partager. Nous, nos articles, les articles de The Conversation, des experts de The Conversation, ils sont partagés par des médias très grand public, Sud-Ouest, Ouest-France, etc., reprennent nos articles. Tous nos articles sont écrits pour être partagés le plus possible, donc le plus largement possible. Donc, arriver sur les, in fine, sur les réseaux sociaux ou sur des grandes plateformes dans lesquelles, ben voilà, au moins on sait qu'avec cette signature, on peut leur faire confiance. Merci en tout cas d'être venu répondre à nos questions. Restez donc sur TV7, vous êtes au bon endroit pour qu'on essaye de vous donner un maximum d'informations et que l'on la vérifie. À très vite donc pour ces interviews des Tribunes de la Presse.